n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés, Harry Potter ne doit surtout pas retourner cette année à Poudlard, l'école des sorciers. Il y a un complot qui provoquera des événements terrifiants. Ah ! Encore un Weasley ! Avec toi, pas la moindre hésitation. Gryffondor ! Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3 quarts. Mais Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3 quarts. Ça n'existe pas. J'ai raison. Seulement, cette fois, il a choisi d'agir par le biais de quelqu'un. Au moyen de ceci. Tu dois être content, hein, Potter? Le célèbre Harry Potter, il ne peut pas entrer chez un libraire sans faire la une des journaux. Ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi. Tu veux empêcher Rogue de voler la pierre ou pas? Harry, c'est toi qui dois continuer, je le sais. Pas moi, pas Hermione, toi. Puis-je savoir où vous étiez? Harry, quel plaisir de te voir, mon chéri. Vos lits vides, pas le moindre mot, plus de voiture. Vous auriez pu vous tuer, on aurait pu vous voir et... Oh, bien sûr, tu n'y es pour rien, Harry, chéri. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi, l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume? Bien. Laissez-moi deviner, des cheveux roux, le regard inexpressif. Un livre d'occasion, tout est corné. Vous ne pouvez qu'être les Weasley. Neville, voulez-vous venir, s'il vous plaît? Allez, n'ayez pas peur. Venez. Venez. Bonjour. Neville, qu'est-ce qui vous fait le plus peur?
Harry, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Tu as compris ? Tout le monde reste sagement sur la terre ferme pendant que j'emmène Monsieur Landubat à l'infirmerie. Compris ? Si je vois un seul balai dans les airs, celui qui sera dessus sera renvoyé de Poudlard avant d'avoir eu le temps de dire Quidditch. Profitez-en bien, Ligora. Ce soir pourrait bien être le dernier que vous passez dans ce château. Oh, Seigneur, nous avons des ennuis. J'aurais espéré un peu plus de gratitude. Nous t'avons élevé depuis le berceau, nous t'avons nourri à notre propre table, nous t'avons même donné la seconde chambre de Dudley, uniquement parce que nous avons bon cœur. Vu que nos mandragores ne sont encore que de très jeunes plants, leurs cris ne pourront pas vous tuer, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. C'est pourquoi vous avez tous une paire de cache-oreilles pour vous en protéger. Veuillez les mettre en place, s'il vous plaît. Dépêchons! J'ai passé les vacances à mettre au point un nouveau programme de Quidditch. On va s'entraîner plus tôt, plus dur... et plus longtemps. Qu'est-ce que... Oh, ce n'est pas croyable. Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, Monsieur Potter. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leur première baguette. Et nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir, rideau. Des questions? Aucun de nous n'en a vraiment envie. Imagine qu'il y a un problème et qu'on reste des petits crétins binoclars toute notre vie. Hermione, heureux de te revoir. Je tiens à ce que tout soit absolument parfait pour l'anniversaire de mon Dudley Nouchet. Mais vous, oui! Parce que vous vous trompez! Le cœur d'Harry battait pour nous! Pour nous tous! Ce n'est pas fini! Ma chérie, à l'instant même où vous êtes entrée dans cette pièce, j'ai senti que vous ne possédiez pas l'esprit qui convient pour l'art noble qu'est la divination. Il faut cacher le livre du prince de Sang-Mêlé. Là où personne ne pourra jamais le trouver. Toi y compris. Remarquable, n'est-ce pas? La rapidité avec laquelle le venin du basilic se répand dans les veines. Il doit te rester un peu plus d'une minute à vivre.
Ne me réponds pas oui avec une telle ingratitude. Voilà, estime-toi heureux que mon frère t'ait recueilli. Je l'aurais filé à un orphelinat si on l'avait déposé devant ma porte. Tu demandes qui c'est ? Tu demandes ? Mais c'est Sirius Black, enfin, voyons. Me dis pas que t'as jamais entendu parler de Sirius Black. Nous revoilà face à face. Earn. Oui, Earn, on peut y aller. Ça va secouer un max. Malheureusement, toutes mes chaussures ont mystérieusement disparu. Je soupçonne les Nargoles d'avoir fait ça. Ah, la barbe de Merlin ! Il est inutile de me défigurer, Albus. Est-ce que Monsieur Harry Potter a sa clé ? Mes fils et mes filles ne font pas de mal à Hagrid, car je le leur interdis. Mais je ne peux leur refuser un peu de viande fraîche lorsque celle-ci s'aventure jusqu'à nous. Tu peux le tourner vers moi ? Ben... 36 ! Mais l'an dernier, j'en avais 37 ! Bon, Harry, toi qui connais tout des Moldus, dis-moi, à quoi sert un canard en caoutchouc exactement ? Thank you.